know what I mean. Oriental poison. Si vous aimez le prank, lâchez un maximum de likes, partagez, commentez et abonnez-vous. Je compte sur vous. Lia, yeah. Oui. Tu peux s'il te plaît ma chérie aller me chercher un couteau? Un couteau? Ouais s'il te plaît. J'arrive. Je trouve plus mon putain de cutter. Tu veux qu'on coupe la partie de ce meuble là? Ouais, la partie de ce meuble, on va couper ce meuble. Vas-y, bah vas-y. J'avais gagné, de Putain, Zantar, t'es con! Ah, putain! Ah! C'est toi aussi, mon frère, j'étais con ou quoi? Mais j'étais de l'autre côté! Wesh! Wesh, t'es vraiment trop du cul, toi, t'es vraiment. Mais c'est toi, t'as mis ta main derrière, je t'ai dit pas mettre ta main derrière! De l'autre côté, frère, de l'autre côté, t'es en train de couper, je t'ai dit, je suis de l'autre côté! Wesh! Attends, wesh. T'as rien! Arrête de dire j'ai rien, frère! T'as un bout de peau! C'est rien, c'est un bout de peau, tu t'es. Y'a quoi? Eh ben en fait, on est en train de refaire, d'améliorer le truc là. Je lui dis de pas mettre sa main derrière. Il s'est mis là. À la limite, tu aurais mis un doigt, il aurait rien eu. Le mec, il a mis carrément sa main. Il y a des mouchoirs. Attends, lève-toi tout doucement. Attends, recule, Hamid, recule. Attends, j'ai appris les pompiers, tu filmes moi. Tranquille, c'est un bout de peau, il y a un bout de peau, c'est rien, il y a juste un petit bout de peau. Tiens le bout de peau. J'appelle vite. Ah merde. Bravo les troupes. Mais non, mais vous êtes con. Putain, j'ai oublié le faux sens sur le bureau. Attends. Sois honnête. Avant que tu vois la bave qu'on a bah fait. Ah ouais, j'ai cru. Il a fait sauver les mouchoirs et tout. Bah oui, j'ai cru. Surtout, je voyais ça là. Fils de pute, pourquoi t'as mis une pomme? Putain de sa mère. Les gars, je suis un trou du cul. Alors, j'explique. En fait, c'est pas prank là. Non. On avait caché le faux sang. Elle est la caméra, Hamid, tu l'as regardé. Hamid, elle est la caméra. Ah merde. Je l'ai caché, j'ai mis carrément une couverture et tout pour la cacher. Vous avez acheté ça 5 ans, bande de fils de pute. J'ai acheté ça ce matin pendant que tu dormais, mon gars. Avec vous vous rappelez pas, ce matin, je faisais rêver en fanfare avec le truc. Et avec les menottes sexy là. Bah, j'ai acheté ça aussi avec. Putain, franchement, c'est. Non, c'était réussi, j'étais presque. Meilleur pranker FR, il était pas loin.
En tout cas, avoue, t'as eu peur. Ouais, j'ai eu chaud, mais. T'es sans caribas de ouf. J'ai jeté le bâton chicha par terre, je sais pas s'il est cassé après. Hein? Je sais pas si le bâton chicha il est cassé ou quoi, je l'ai jeté par terre, hein, parce que j'ai entendu crier. Alors, en tout cas, est-ce que le sang est bien fait? Il est bien fait de fou, sa mère. Il est bien fait, hein. En plus, regarde, on a mis un morceau de peau exprès pour que ça s'affasse. Genre, comme avec le couteau, tu sais, ça. On l'avait trouvé, un morceau de peau, bande de fils. J'ai tout acheté tout à l'heure. J'ai tout acheté tout à l'heure. Alors, les frères et sœurs, on a fait une gourde de ouf. C'est le faux sang. Le faux sang, sans faire exprès, je m'explique. En fait, au début, j'avais rangé le faux sang. Je l'avais rangé. Je l'avais caché. J'ai même fermé la poubelle et j'ai même tout fermé, nickel, pour qu'ils voyaient rien. Mais en fait, comme un trou du cul, j'ai oublié en fait de recacher le faux sang quand il y avait le couteau. On est parti directement en mode action. Hé, toi ferme ta gueule parce que tu es pour quelque chose, gros connard, tu m'as pas dit cache le faux sang. Bah ouais, alors c'était toi qui mettais le faux sang, c'était pas moi. Les gars, concret, j'y ai cru, hein. J'y ai cru. Mais je vois une bouteille avec écrit faux sang. Et tu vois, je suis pris pour un PD ou quoi? Je suis pas con à ce point-là. Je sais que je suis con, mais pas à ce niveau-là. Merci. Oh, bon, en tout cas, t'as eu ou pas? Vous m'avez eu. Concret, vous m'avez eu. De ce côté-là, là. C'est bon, ça ira. T'as flippé ta mère, t'avais plus quoi faire. Je me suis dit, wesh, il s'est passé quoi? Au début, je crois que c'était une petite coupure. Hey, t'as vu ce PD, il a fait quoi? Il a dit, j'ai lancé la vidéo avec les abonnés, il a dit... Je fixe la lumière pour pleurer. Il pleurait tout ce bâtard, il y avait plein de gens partout et tout. Bon acteur ou pas? Bon acteur, on a Hollywood. Pas Hollywood. Allez, tiens, ramène ça là-bas. Et bah, les frères et sœurs, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Allez, juste parce attends, que vous attends. M'avez fait ça, je vais vraiment vous faire sauter. Arrête. Bon, les frères et sœurs, en tout cas, j'espère que vous avez aimé. Bon, attends, c'est vous. Montre-leur la marque. Bah, c'est pour ceux qui veulent en acheter. Ça pour prank vos darons. La ronde elle va pas être contente. Tu prends que ta mère, tu mets du sang par terre, tu restes comme ça. Non, t'es de fou quoi, elle me tue moi ma mère si j'ai fait ça. Ma mère elle me tue. Abdel c'est elle qui me tue après je pense. Et pour les abonnés c'est pareil, tu prends que ta mère en faisant ça. Ah, t'as pas goûté quand même. C'est pas du sang. Bah bien, mais des c'est pas comestible je crois. C'est pas du sang, mais bien sûr que c'est pas du sang. C'est de la gélatine. Ouais, c'est de la gélatine. Bon. La caméra la regarde, c'était le dernier jour de Hamid des Antares, on a voulu faire un sale prank. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé les frères et sœurs, n'hésitez vraiment pas à lâcher un couteau bleu. La barre des likes. Explosez-moi cette putain de barre de likes. Mettez vraiment. Pas de pouce rouge. Vous avez compris, vu pouce rouge. Vous avez vu quand même le prank était réussi. Hein. Heureusement qu'il y avait le fossé en bordel de merde parce que. Il aurait passé une mauvaise soirée le gars. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous pour plus de vidéos. Et ne vous inquiétez pas, des pranks dans ce style-là, à mon avis, ça va revenir. Bref, prenez soin de vous et de la Mifa. C'était Hamid, Zantar et Tonton. Ciao, ciao.